Et le jury débarque, le président en tête. De toute façon, on s'en doutait. Hein. Passage obligé pour le jury. Et après ça, ils n'auront plus le droit de parler, en tout cas pas des films de la compétition, l'indispensable photocall. Le président et ses 8 jurés doivent se soumettre à l'exercice et sourire, ou pas, devant une sélection de photographes du monde entier. Alors le jury 2023, très éclectique, c'est 9 membres, dont 4 femmes, presque la parité. Ils viennent tous d'horizons et de pays différents. On commence par le président du jury, le réalisateur Ruben Östlund, qui était déjà là l'an passé, on s'en souvient, mais dans un autre rôle, il présentait son film Sans filtre en sélection officielle. Et bien lui en a pris, il est reparti avec une palme d'or, grâce au jury du président 2022, Vincent Lindon. Ruben Östlund passe au stress de la compète à une autre forme de stress, celle de constituer un palmarès digne de ce nom. Mais ne vendons pas la peau de la palme 2023 avant d'avoir vu les films auprès du président Östlund, une autre palme d'or, la scénariste et réalisatrice française Julia Ducournau. Deuxième femme après Jane Campion à obtenir la récompense suprême pour le troublant Titane en 2021. Histoire d'amour et de monstre, on se souvient d'ailleurs de son discours de remerciement sur scène qui finissait par un « merci au jury de laisser entrer les monstres au festival ». À ses côtés, l'actrice américaine Brie Larson, Captain Marvel pour les intimes. Dans le jury également, Rungano Nyoni que l'on voit ici, habillé en blanc. Après plusieurs courts-métrages primés, son premier long, I am not a witch, je ne suis pas une sorcière, en français, a fait sensation ici à Cannes. La voilà. Il y a également Mariam Touzani, l'actrice, réalisatrice et scénariste marocaine, ancienne critique de cinéma, ici en noir. Donc, Ruben Östlund, seul. Il ne faut pas anticiper, mais on se demande bien quel sera son palmarès. Dans le jury, il y a aussi Damien Zifron, le réalisateur argentin. Même esprit corrosif que Ruben Östlund, justement. Et que certains de ses comparses du jury. Il avait fait plier de rire les festivaliers avec son film en compétition, Les Nouveaux Sauvages. Donc, on l'a dit, le jury 2023, très éclectique, c'est 9 membres, dont 4 femmes, qui vont poser maintenant avec Ruben Östlund. Julia Ducournau, la réalisatrice. L'actrice américaine Brie Larson, que l'on connaît pour son rôle dans Captain Marvel, mais qui a elle-même remporté Golden Globe et Oscar en 2016 pour son rôle dans Room de Leni Abrahamson. On parlait également de la réalisatrice zambienne et britannique Rungano Nyoni, de Mariam Touzani, la marocaine, qui est venue plusieurs fois à Cannes également. Elle était là l'an passé pour Le Bleu du Caftan, à Un Certain Regard, très remarquée.
sorti récemment sur les écrans. Brie Larson, on le sait moins, mais elle a été aussi chanteuse, compositrice et réalisatrice. On l'a vue également dans de nombreux films indépendants. Voici maintenant les autres hommes du jury, toujours avec leur président, Ruben Östlund. Le français Denis Ménochet. Ici en gris. Qui ne s'interdit pas une carrière à l'étranger d'ailleurs, on l'a vu dans Inglourious Basterds, c'est ce qui l'a fait connaître du grand public. Mais aussi dans Asbestat, Boys Afraid. On l'a vu chez Ridley Scott, Julie Delpire, Rebecca Zlotowski, Stephen Frears, Wes Anderson. Il y a Paul Dano aussi, l'acteur américain au CV impressionnant, Spielberg, Villeneuve, Sorrentino, etc., etc. Pour la petite histoire, c'est Daniel Day-Lewis lui-même, l'acteur avec un grand A, qui l'a suggéré à Paul Thomas Anderson pour There Will Be Blood. Il avait été impressionné par son travail sur The Ballad of Jack and Rose. Atiq Rahimi également, que l'on voit avec son chapeau. Romancier, réalisateur afghan, réfugié en France après l'invasion de l'Afghanistan. On l'a vu ici, à un certain regard, avec Terre et cendre, son premier livre, qu'il a lui-même adapté et qui était son premier film. Le jury s'en va, le photocall est terminé.